On commence à une parole nous vient sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, qui dit que Donald Trump, nouveau président américain, déjà prend mesure pour toute Caraïbe, donc y compris Haïti, donc barrière libre et monde capable d'aller entrer aux États-Unis. Et mais nous, ambassade là-bas, nous démentis ça? Non, et ça pas vrai du tout. Nous gagnons même politique qu'on là avec nous te gagné sous administration Obama, particulièrement pour haïtiens qui donc et ça où te connais sous président Obama, c'est même sous président Trump. Nous gagnons même politique, nous pas de changé et qu'on là pour haïtiens, ils ont toujours besoin là ou bien on passeport américain pour entrer aux États-Unis. Si vous pas un visa ou bien un passeport américain ou pas qu'à entrer aux États-Unis. Qui donc pas de aucun changement, pas de on politique libre comme ça, ou besoin toujours besoin de papier pour entrer. Mm-hmm. Mais nous, vous t'étendez ça tout, parle ça. Oui, oui, nous connaissons que il y a un peu de Cap-Couille dans le pays, dans la région, mais toujours il y a un monde qui t'avait prendre avantage, qui t'avait juste bâillement sur ça, parce qu'il y a un avantage. Mais ce n'est pas vrai. Mais nous n'allons pas te démentir ça. Oui, non. Pas d'aucun communiqué qui sortit. Non, nous toujours recevoir communiqué sur ça, et nous t'ai parlé avec monde pour nous juste dire, c'est peut-être ça là, pour dire, pas quoi ça, parce que ce n'est pas vrai. Nous avons même politique, même comme toujours, ou besoin d'un visa, ou besoin de venir parler avec un consul, si vous voulez aller aux États-Unis, si c'est ça ou besoin de faire. D'accord. Maintenant, pour ça qui concerne les États-Unis, il y a des paroles qui parlent et tout. Et il y a des gens qui pensaient, et des gens qui ont des pièces en particulier, et je connais un peu les gens qui ont des noms là, ils pensaient qu'ils n'ont pas renouvelé les pièces. Premièrement, je salue tout le monde qui a branché dans les États-Unis, oui. Parce que je connais un peu les gens qui sont là, et particulièrement les gens qui ont des TPS. Quand là, ça me dit, c'est que nous avons même politique avec l'administration Obama. Et ça, c'est que avant, juste après le tremblement de terre, nous avons offert TPS pour les gens qui étaient entrés. Quand là, nous n'avons pas TPS pour les gens qui sont entrés. Nous avons TPS seulement pour les gens qui ont reçu ça déjà. Qui donc, si vous avez TPS, ou toujours gagné, il a toujours existé. Mais question de l'avenir. Administration Trump pourquoi prendre décision sur ça. Qui donc ne pas qu'à parler avec ça ce qui peut arriver, mais qu'on a c'est même avec l'administration Obama. TPS existait toujours et ça nous gagne qu'on a. D'accord. Qu'on a nous connaît un peu les compatriotes, un peu les haïtiens qui fait voyage et gagne qu'à le Brésil, gagne qu'à le Mexique, gagne qu'à le Chili. Mais tout le monde connaît l'objectif final, c'est les États-Unis. Oui, c'est ça. Et quelqu'un qui arrivait sous frontière États-Unis avec Mexique, et quelqu'un qui nous était même recevoir, et qui sort, c'est ça qu'a fait pour eux. Ok, oui, m'a parlé de ça parce que c'est un bagage qui vraiment est chargé quand il y a là. Il y a un peu de monde haïtien qui vive au Brésil ou bien au Chili. Et il y a eu le passé, peut-être il y a eu un travail là, mais il y a une crise économique dans l'Amérique du Sud. Et il y a un peu de monde qui pensait, oh peut-être je vais quitter le Brésil pour voyager aux États-Unis. Mais là, pour dire, pas faire ça, parce que les arrivés aux États-Unis, n'a pas voulu retourner en Haïti. Quelles que soient les conditions. Oui. Si vous vivez sans papier, sans document, sans visa, sans passeport américain, ou pas qu'entrer, n'a pas quitté ou entrer seulement pour mettre ou non en prison et pour vous retourner en Haïti. Mettre ou non en détention, immigration, pour vous retourner en Haïti. Et ça, c'est parce que dans l'année 2015, nous avons recevé seulement 300 Haïtiens, à peu près 300, qui étaient arrivés sous frontière. Mais dans l'année 2016, nous avons recevé plus de 6 000. Et ça, c'est un numéro qui est trop grand pour nous gérer. Et donc, avec ça, l'année passée, en 2016, et l'administration et Obama ont fait une décision pour recommencer vos déportations vers Haïti.
Et quand là, moun qui entrait et frontière A et au Mexique et États-Unis, moun qui entrait sans papier, n'a mettons on ont détention pour yo, pour voyer retourner en Haïti. Et ça c'est un bagage difficile, mais c'est un bagage nous besoin fait pour nous cap protéger moun qui passait. Qui, parce que si vous pensez, Léo vivait aux États-Unis, n'a quitté ou rentré juste pour qu'il café, ça y est, vous fait, n'a continué et a continué à faire ça. Mais nous pas qu'à quitter mon fait voyage ça, parce que c'est un voyage qui est difficile. Donc ça veut dire, Léo Kembe Mounio, dans la situation ça, il n'a pas considéré le dossier chaque monde, seule décision qu'il prend, c'est voyer au tournant. Yo pas analyser dossier pour voir si yo capable de recevoir. Yo considérer dossier mais pas gain chance du tout. Même après yo considérer dossier, il y a voyer retourner. C'est comme ça. Qui donc Léo entré, ouais, yo ka mandé quelques questions et comme ça mais on mettait en détention juste pour retourner. Et c'est une chance qui on risque qui pas acceptable parce que ou pas gain aucune chance pour être aux États-Unis, n'a voyer retourner. Mm-hmm. Bon, alors, situation ça, est-ce que c'est pas parce que et politique et visa et États-Unis, et là, c'est pas seulement pour Haïti, et pour tout un pile pays, est-ce que n'est pas trop, comme si nous là, n'est trop difficile? Non, et c'est même dans le pays Haïti, avec tout. Tout l'autre pays n'a pas. Oui, c'est le bateau difficile. Ouais, pour ouvrir nos visas américains. C'est la loi. Et c'est la loi. Nous besoin suivre la loi américaine. C'est le Congrès qui a fait ça. Et c'est la loi tout pays. Qui donc, comme on connaît, chaque pays a un droit pour gérer bagaille immigration. Non, mais là, disait la loi de tous côtés. Non, c'est la loi. Bon, tout le monde connaît, à un certain moment, bon, qu'on y a ça pas fait encore. Et nous sommes plus favorables à Cuba. Que Haïtien. Non, mais c'est. Et avant Obama aller, évoquer loi ça. C'est toujours en question de relations bilatérales que nous gagnons. Nous toujours oui. Parler avec le gouvernement haïtien pour nous connaître, ça nous gérer nous tous les deux. Et parce que vous connaissez, et nous besoin, les nouveaux mon tourner en Haïti, nous besoin connaître que le gouvernement haïtien est prêt pour recevoir le monde qui tourne. Et comme ça, oui, nous gagnons même loi. Immigration pour tout côté. Mais oui, nous gagnons quelques différences juste dans la relation que nous gagnons. Mais pour tout le monde, c'est même loi pour Léo Vini pour chercher un visa, c'est même standard pour tout le monde. Mm-hmm. Donc, mais, je te dis déjà, avant de arriver en Haïti, je suis consul en Chine et nous avons même standard pour le monde qui cherche un visa en Chine avec en Haïti. Nous avons besoin de convaincre. Consulio qui n'a pas tourné en Chine ou bien tourné en Haïti et que pas utiliser visa sans problème aux États-Unis d'après la loi. Et si vous n'avez pas convaincre et consul que vous parlez du bagage ça, il y a des consuls qui ne peuvent même tendre moun là. Non. Il va même garder le dossier moun là. Non, mais même pas quoi ça, mais parce que. Il y a des moun calé, il va même garder le dossier et puis on dit ah, on va qualifier. Mais c'est pas une question de dossier, de ça ou porter avec vous, c'est une question de qui présentation ou gagne. Parce que là où vini pour parler avec, je ne suis pas concerné avec qui pièce ou gagne ou qui dossier ou gagne. Je suis concerné avec qui intention ou gagne aux États-Unis. Donc, si vous venez et vous parlez avec ça, vous avez fait aux États-Unis, et vous croyez que vous allez ou parler pour juste pour faire un petit tourisme et vous retournez en Haïti, c'est pas un problème. Et vous n'êtes pas concerné avec qui est certificat bancaire ou gagné. Vous concernez avec ça, vous parlez fait aux États-Unis, seulement ça. Et si vous me convaincu, vous n'avez pas un visa. Si vous n'êtes pas convaincu, d'après la loi américaine, vous n'avez pas de rien. C'est juste la loi. D'accord. Bon, alors il y a un peu de monde qui attend, qui est parmi eux, qui a pris disposition pour aller soit Chili, soit et Brésil. L'autre jour, on a parti et puis des petites dames et qui semblait avoir besoin d'aide et qui pas de fin trop bien qu'on ait ça pour le faire. Bon. Et puis moi, je voulais aider, il était comme enveloppe jaune, mais lui, même quand on est sur monde. Cap parti pour premier. Ça fait c'est ballon petit aide et puis mandé le côté pour aller et puis il dit c'est Chili. Et puis bon. Moi ouais grand pile monde vraiment qui pour aller Chili là. Et beaucoup monde cap dit là tout à l'heure là que
Et dans Miragouane même, il dit, de pour acheter un ticket, et aller retour, ou pas être dans l'ambassade là, il y a bon visa. Non, c'est pas vrai ça. Hein? D'après Wilson a acheté un ticket là. Wilson, un ticket aller retour pour aller acheter, pour avoir un visa. Non. Et c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Si vous avez un billet, si vous n'avez pas un billet, nous pas consommer de ça. Nous consommer de Saoudi, là où vini pour interviewer. Donc, même ou bien un billet qui c'est aller-retour, ça pas assez. Ou toujours besoin de convaincre un consul. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter billet avant. Non. Il faut un visa, lui. Non, et oui. Nous toujours disons pas acheter un billet avant un visa parce que c'est un gaspillage de l'argent. Si vous ne pouvez pas recevoir un visa, ou t'es perdu un peu l'argent. Vini. Mais quand est-ce que ça a sorti d'abord? Bruit que Trump baille, laissez passer. Dans tout cas, il y a bruit de vous acheter. Gon bagay, gon kote moun yo tan nou kose. M'pense, sa m'te dit déjà, c'est que gen un peu rumeur kap kouyi, et c'est parce que m'pense gen moun ki se passeur, ki se criminel, ki ka pren avantage, ki ka peut-être se un agent de voyage, ki ka dit, oui, si ou juste achete un billet, ou ka ale, et yo pren avantage, parce que ou ale ka yo pour acheter un billet, et y a pren l'argent ou, et après... Ou paye net. Oui, c'est ça. et yo pas consonné avec ça ou yve ou, yo consonné seulement avec ça yo recevoir. Mais moi-même, m'pa gen aucun l'autre bagay m'ta vle fait, juste pour protéger moun ki essaye aller. Et ça c'est que, pas acheter un billet avant ou recevoir visa, parce que ça c'est un gaspillage, ou pas besoin de les vini pour interview, qui donc pas fait ça, et après ou gagne. Ah non, ou pas besoin de ça pour interview. Ou pas besoin un billet. Ou pas besoin d'acheter un billet avant où il va. C'est pas une pièce, yon non, mandé. C'est pas une pièce, non. Et j'ai quand même gagné des pièces, yon mandé. Mais pas un peu, non. C'est un peu, ou besoin d'un passeport. Ou besoin d'un passeport et ou besoin d'une confirmation que tu es fait. Rendez-vous sur internet là. Okay. Mais pas besoin de le travail. Pas besoin de ça. Mais. On va besoin de travail. Ou pas besoin de ça. Ou qu'à venir avec ça, peut-être qu'il y a un grand monde qui t'a gardé ça, mais normalement, nous, ou pas besoin de ça. Et si vous venez. Et compte en bas. Si vous venez sans ça, et consulat t'a gardé ça, lui pas bayer un wifi, lui juste dit ok, ma bayer un ticket, ou aller chercher un lettre de travail, ou venir encore sans payer encore. Ou qu'à juste venir. Avec ça, côté ça, qui donc c'est pas on nous pas jamais vérifier si ou pas venir avec un bagage. Si nous besoin de bagage, nous juste bayon chance pour aller pour chercher les tournées. Donc c'est parole moun nan qui comptait avec et possibilité li gagner pour convaincre et consulat de ce que li pas pral rete dans pays États-Unis. Oui, c'est moi comme consul. T'es seulement concerné avec qui intention ou gagne pour visa. Si vous avez utilisé visa juste pour faire bagar légal aux États-Unis et pour tourner, ça ok pour moi. Mais si vous pensez ou pas l'utiliser pas pour aller rester aux États-Unis sans papier, pour faire crime aux États-Unis, pas qu'à bailler un visa. Et c'est ça où besoin de convaincre moins. Ou besoin de convaincre moins que vous pouvez aller et tourner sans problème. D'accord. Bon, ou soit dit tout à l'heure, pour que nous te gagnons sur Obama, c'est même avec politique qui prend sous ton plan, mais on peut reconnaître. Et ton fait monter, on peut reconnaître qui décision le prendre. Et bon, ouais, l'autre jour, sur l'executive order concernant sept pays, et nous reconnaissons, s'il ne va pas sortir l'autre executive order. Non, ça vrai, mais quand il y a là, n'a fait même pas gagné fait déjà. Et qui donc, oui, je ne peux pas parler de l'avenir parce que. Oui, moi-même, je ne suis pas président. Oui. Mais je ne peux pas parler tant qu'on a un travail. Et on va jamais président. Non, non. ou pas vraiment président. c'est pas bon, non. Mais c'est un monde qui a travaillé pour le président Obama, pour le gouvernement président Obama, et qui, quand il a travaillé pour le gouvernement et l'administration Trump. Et pour moi-même, je fais même bagaille, tous les deux, et parce que nous avons la même politique là. Et oui, comme on connaît, et c'est pour lui qui a fait la décision, ça lui a fait, mais quand il a fait même bagaille, donc, pas de raison pour venir perdre, parce que quand il a pas aucun. Indication que les parfums n'ont pas répondu à Haïtien.
pas gagne aucune raison pour ça, pour penser ça. Bon, vous pensez ça parce que c'est pas ça en pile monde aux États-Unis. Oui, non. Pensez le contraire, vous pensez que et bon, il y a monde qui dit clairement, il dit Trump c'est un raciste. Ouais, on pas qu'à parler de ça, non? Non, on va dire rien sur ça. Non, 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 mais on connaît. Moi là parce que en Haïti et on continue avec toute bagarre haïtien, pas vrai? Et avec mon haïtien qui t'avait aller aux États-Unis. Et quand la Sam qu'a dit, c'est que nous pas gain aucun changement dans la politique nous entre administration Obama et administration Trump. D'accord. Donc ça vous dit c'est vrai. Nous pas qu'à connaître et sans question ça qu'a venir dans l'avenir. Mais quand là c'est même. D'accord. OK. Et maintenant n'a regardé et Jean bah a déroulé pas bon ici. Est-ce que nous avons la même quantité de monde là ou bien plus? Je ne connais pas parce que je ne travaille pas dans la section consulaire, je connais même yo géré le numéro. Mais ça, je connais, c'est que je pense que ce n'est pas une grande différence parce que le monde toujours a. Tu voulais aller aux États-Unis. C'est pas une grande différence. Peut-être qu'ils cherchent l'autre gens pour qu'ils fassent ça. Il y a des gens qui viennent pour chercher un visa, des gens qui essaient d'aller illégalement, des gens qui cherchent une résidence. Mais non, d'après moi-même, c'est même. D'accord. Alors, une question qui n'est pas facile, je vais la poser, mais je vais la poser. Et pour le grand public, là. Okay. Et il y a des gens qui pensaient. Moun ki jwenn refus, ambassade la, consulat, te ka remet yo. Ti kòb la. Non, c'est pas comme ça, non? Non, parce que ou konnen, bah, yo di. Oui. Mais, le moun nan ale pran refus, kòb la rete kole le, kòb la va pran refus. Non, m comprend pou ki sa moun pense ça. Mais bon, même si yo pa ta remet tout. Non, pas du tout. C'est pas un prix à payer pour recevoir un visa. C'est un prix à payer pour venir pour interview. Parce que regardez, il y a un peu de monde qui a besoin de travail sur ça. Si vous faites une demande pour visa, vous avez besoin d'aller, vous avez besoin de venir, et vous avez aider avec tout le bagage, nous avons besoin de payer un salaire. Qui fait interview? Oh, problème. Bah, non, c'est pas comme ça. Regardez, les États-Unis qui ont fait comme ça. Non, non, non. Mais c'est ça qu'on a fait pour tout pays dans le monde, là. Même si on est en Chine ou en Haïti ou en tout côté. Parce que. Mais regardez, excusez-moi. Regardez, on week-end Trump. Et non, pas. C'est près de 3 millions de dollars. On va parler sur ça. Ouais, non, on connaît ça, Abdi, mais ça, c'est pas. 3 millions de dollars. Mais bon, si nous remettons des visas, des visas, mais même si nous ne pouvons pas remettre tout. Parce que l'autre jour, je recevais sur WhatsApp, je recevais sur tout. Il y a des gens qui font un calcul, par mois. Ils montrent pas petit cobla et consulat à faire avec Haïti. Mais même. Ouais, c'est parce que c'est une grosse opération qu'on a fait. Vraiment, on connaît que c'est un bagage qui. Mais nous avons un peu de monde qui travaille sur section, dans la section consulaire. Nous avons un peu de monde qui l'a juste pour nous recevoir un peu haïtien. Parce que, ça me t'a dit déjà, c'est que il y a un peu haïtien qui t'avait aller aux États-Unis. Et pour nous avoir un service clientèle qui est bon, nous avons besoin d'un peu de monde qui a. Oui, pas vrai. Parce que si il y a un peu de monde qui t'a venu, si vous avez un seul consul, captain, il y a besoin de temps pour faire un rendez-vous ou bien pour venir. Mais pour nous gérer ça avec efficacité, nous avons besoin de payer tout le monde qui travaille dans la section. Hein. Et c'est prix à payer, ça fait salaire pour tout le monde qui travaille dans la section consulaire. Mm-hmm. Pour même tout payer dans le monde là. Mais, c'est le même tarif là? Oui. Même dans chaque pays. D'accord. Ouais. C'est une question d'égalité. Ok. Bon, Kounia, nous recevoir et haïtiens illégaux, puis plus par la frontière, oui. Et de qui pays avec États-Unis, Mexique? Mais nous pas tellement recevoir both people. Non, c'est pas une question de comparaison entre un peu pays, mais c'est une question de comparaison avec avant. Parce que avant, nous pas recevoir un peu haïtien, c'était un numéro qui était
piti et au connais on pays tant quoi Haïti c'est un pays qui pas tellement grand et un peu le monde qui a vini nous besoin chercher on gens nous qui a géré ça qui a vini et avant c'était un numéro vraiment piti quand là c'est un numéro qui explosait et avec un bagage un peu le monde ouais c'est ça. Plus ça me t'a dit c'est na 2016 c'était plus passé 6 000 qui oui. Qui t'est arrivé ici en ce moment. Est-ce que nous voyons toutes 6 000 à retourner? Non. Nous, mais depuis nous t'es commencé et où est commencé vos déportations, c'était 3 novembre 2016. Depuis date ça, nous t'es fait plus passer 3 000. Nous t'es déporté plus passer 3 000. Qui donc c'est un pire. Mais c'est ça me t'avait dit, c'est que c'est un bagage à continuer. Parce que c'est un genre nous qui a protégé, nous qui a découvert, qui a essayé de faire un voyage qui est vraiment difficile, qui est dangereux. Et vous connaissez les gens qui étaient voisins, qui étaient Chili pour passer, ils ont besoin de passer 10 pays. Ils ont besoin. Oui, c'est une route qui est longue. Oui, c'est une route qui est longue et il y a un peu de problèmes qui a vivé. Il y a des bêtes qui ont mangé, il y a des couleuvres, des mangues qui ont piqué, il y a des maladies. Bon, c'est mangues qui sont haïtiens capables. Oui, non, c'est ça. Haïtiens qui ont dégagé. Parce qu'ils ont conservé. Ces couleuvres-là. Mais non, ils ont besoin de dispenser un peu de cob pour payer passer. Plus passer, on parle avec tout le monde qui a venu. Aventure. Oui, il y a besoin, pas une aventure qui vraiment est bonne, non? Parce que il y a besoin de payer plus passer 5 000 dollars américains pour qu'il puisse passer. Il y a besoin de 4 mois, 5 mois pour passer. Et il y a un peu de monde qui perd la vie, qui perd le caillou, qui perd tout le bagage qu'il y a. Il y a gagné juste pour qu'il puisse passer. Et même, les arrivés aux États-Unis, on a voulu retourner quand même. Donc, ça m'a dit, c'est juste que c'est pas un risque où tu avais fait. Parce que vous passez toute misère ça pour arriver aux États-Unis. Ma voie est tournée. C'est un bagage qui est difficile, mais c'est peut-être ça n'a fait ça, pour décourager les gens qui t'avaient fait ça. Ok. Et nous allons prendre quelques questions pour vous, mais on peut maintenant retourner sur la question que tu as soulevée tout à l'heure. Et concernant et ça et mon nous obligé payer pour rendez-vous pour interview ou dit c'est pour nous payer et mon qui là et pour service là vous comprenez mais ambassade là gon budget et son bail qui décide dans pays États-Unis pour payer employé. Consulat, ce n'est pas mon qui a demandé visa qui paye. Non, et c'est un budget qui est basé sur Vini. Vraiment. Ah bon? Oui, parce que nous changeons combien de nous gagnons dans la section consulaire, basé sur combien de monde a venu pour chercher un visa. Oh! Et peut-être ça, et c'est vraiment, c'est basé sur ça. Et parce que si on a un logique. Donc c'est mon qui a venu qui a payé. Qui a payé salaire. Oui. C'est ça, c'est pas une question de payer directement par les États-Unis, l'argent aller aux États-Unis et le département d'État a géré tout bagage et payer un salaire, mais si on a un pays qui gagne un peu de monde qui vient pour chercher visa ou gagne plus consul captain parce que nous toujours à bailler un service qui bon pour monde qui vient et si on gagne un seul consul non. Ça veut dire si il y a moins de monde qui vient, donc il y a diminué la quantité consulaire. Oui, c'est ça. Parce que ça dépend. Donc c'est en fonction de quantité. Hein? Oui, c'est ça. Parce que nous toujours décidons combien nous gagnons, basé sur combien de monde a venu et combien de temps il y a besoin de temps pour un rendez-vous. Et s'il y a besoin de temps et un peu de temps, nous voyons l'autre consul pour aider. Mais oui, c'est toujours basé sur ça. Et c'est peut-être ça nous font un prix comme ça, ils ont besoin de payer pour recevoir un service qui est bon. Ok. D'accord. Alors, on nous fait un résumé, parce que il y a des gens qui fait et capter nous. Et résumé, d'abord, je vais rappeler qui est qui avec moi, c'est Mme Carrie Jacksa. Mme Carrie Jacksa, c'est attachée pour affaires politiques dans l'ambassade américaine. Et l'été consul, il a parlé nous de questions d'immigration. Et pour la livre, il y a un changement de gouvernement aux États-Unis. Vraiment,
mais pas un changement politique immigration. Et du moins, c'est pas encore. Et parce que, quant à présent, c'est même politique qui était sous Obama, hein, c'est même politique là qui a continué au niveau immigration entre Haïti et États-Unis. Deuxième bagaille, tout le monde connaît, c'est que tout le monde qui besoin d'aller dans le pays États-Unis, il faut qu'on visa ou bien un passeport américain. En parenthèse, pour sortir Haïti, pour aller aux États-Unis, parce que nous connaissons plusieurs autres nationalités qui rentrent aux États-Unis sans un visa américain. Oui, si vous êtes un Haïtien. Oui, ou haïtien, ou besoin haïtien. Un visa américain ou besoin d'un passeport américain c'est pour entrer aux États-Unis. Ok. Et maintenant, ce qui est extrêmement important, l'idée là, pour nous bien comprendre, c'est que tout le monde qui est entré illégal dans le pays des États-Unis, eh bien, même si vous arrivez à mettre pied dans le pays des États-Unis, il y a vous retourner. Et même si vous considérez. Il y a gardé dossier, il y a analysé dossier, mais il y a voué tout le pays d'Haïti. Donc, en un mot, livre fait nous connaître, ce n'est pas la peine pour nous prendre risque, pour nous prendre tirage nous, tout ça nous posséder, et puis pour nous aller faire un voyage risqué et qui est très long en Amérique du Sud. Ou bien au Mexique, en Amérique du Nord, pour virer, passer plusieurs pays, plusieurs frontières pour atterrir aux États-Unis, et puis pour après ça, pour vous retourner. Pour TPS, il dit que TPS a été ten face, sauf que c'est un bail temporaire, d'ailleurs, c'est ça que TPS avait dit. Gon moment qu'a privé, faut lui renouveler, si a renouvelé. Il veut reconnaître qui décision qu'a pris sous question ça. Et puis, sous question, l'autre question me pose lui, bon, il y a l'autre question que vous me posez. Avant de nous poser, et nous demander, est-ce que il remarque qu'il y a plus de monde, journée jeudi, passé hier, qu'a demandé visa, il dit c'est à peu près même bagaille. Nous poser la question sur l'argent où mon objet payé pour rendez-vous, il expliquer c'est l'argent qui allait dans l'administration pour payer le personnel qui a géré le dossier. Et une question avant nous prendre l'auditeur, c'est pour ça qui concernait déporter. Nous déporter moun qui est illégal, mais nous déportons moun qui a un problème tout avec la justice. Ouais. Et nous t'aimons qu'on est, et qui veut ta condition pour déporter un monde qui a un problème avec la justice dans les États-Unis? Ok, bon. Et donc, il y a tous les deux, c'est deux processus différents. Ok. Un monde qui entrait sans tout bien, qui entrait illégalement aux États-Unis, d'après le gouvernement américain, il n'y a pas criminel. Mais il n'y a pas de droit pour être aux États-Unis. Et c'est peut-être ça qu'on a voulu retourner. Pour un criminel, ça, c'est un bagage différent. Un criminel, normalement, c'est un monde qui était entré aux États-Unis et qui cap vive aux États-Unis. Et il était vivre aux États-Unis, il était fait un crime. Et la police était arrêtée, il était suivre la justice et on juge bien, on court, il était décidé que il n'était pas condamné parce qu'il était fait un crime. Pour mettre en prison. Après, il finit, tant il a besoin de faire en prison, il a voulu retourner en Haïti. Tout. Mais ça, c'est un, comme je t'ai dit, c'est un bagage qui est différent parce que vous connaissez un bagage qui est sensible, particulièrement pour le pays qui a recevoir. Qui donc, nous toujours à parler avec le gouvernement haïtien pour nous connaître qui c'est ce qu'il a fait. Ça. D'accord. Est-ce que c'est vrai dans 4 ans? États-Unis a voué 4 000 personnes qui ont des problèmes
avec la justice tournée. Non, on pas connaît 4000. Non, c'est pas ça. On pensait ça c'est en petite confusion avec avec mon qui était entré aux États-Unis illégalement mais qui pas fait un crime parce que ça on t'a dit déjà c'est que nous déjà voyait plus passer 3000 monde tourner en Haïti. Ça c'est pas criminel. Yo c'est juste monde qui était essayé d'entrer sans document, yo pas qu'un droit pour être aux États-Unis. Mais non, et avec criminel ça c'est un numéro vraiment petit qui et nous t'ai fait un accord avec le gouvernement haïtien pour nous qu'à connaître qui ça gouvernement haïtien qu'a géré avec criminel qu'a venu. Bon, on connaît sous question ça un gros débat. Et grand pile monde nous dit qui criminel yo, n'a pas voyé tourner yo. C'est société États-Unis même qui la cause qui la cause le danger. Mais et c'est pas comme si on a de Haïti et qui démonte qui écrase cerveau et qui fait retourner criminel. Oui. Mais c'est Haïti qui vient bénéficier. Pour nous-mêmes, ce n'est pas une question de société, c'est une question de responsabilité individuelle. Parce que les Oualais, de l'autre côté, ont besoin de connaître la loi. Et si vous faites un bagage qui compte la loi, côté où vous vivez, vous avez besoin de faire face à la justice. Même moi-même, c'est un monde américain qui vit en Haïti. Qui donc, pour moi-même, j'ai besoin de connaître la loi haïtienne. Parce que si je fais un bagage contre la loi américaine, le pays d'Haïti a le droit pour déporter. Tant qu'on d'autres monde ou bien pour demander aller et qui donc ouais ça bon on va faire ça bon non mais non parce que il va pas semblant il aurait aimé faire ça non surtout avec américain toujours et moi-même toujours essayer suivre la loi haïtienne tout mais oui et si vous c'est un monde qui vit en notre côté ou même dans un pays où vous besoin de suivre la loi. Si vous faites un bagage contre la loi, vous besoin de faire face à conséquences. Et en conséquence, si vous c'est un... On va reconnaître que le criminel là, c'est produit société côté la Bible. Ben, ça c'est une question philosophique. Je vous ai parlé de ça, mais peut-être pas dans l'émission ça. Parce que vous connaissez, et bon, et nous allons vous étonner, ingénieur. Et docteur, non, nous voulons être tout le monde qui a fait crime. Parce que quand même, si on docteur, il y a une belle tête haïtienne, tout l'autre bois. Oui, bon, donc si on fait une petite faute, nous ne pouvons pas retourner comme ça. Non, c'est pas comme ça, vraiment. Et si vous êtes un monde qui te fait un crime aux États-Unis, même si vous êtes docteur, même si vous êtes juste. Un savant. Oui, ça. Ça pas en question. Nous pas concernés avec qui travaille au fait. Nous concernés avec qui crime au fait. Oui. Et si vous avez fait un crime sérieux ou allez en prison, nous avons droit pour tourner au pour vous retourner.